Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo en compagnie de la petite Mimi. Yo! J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. Il y a aussi Younes derrière la caméra qui filme. Donc aujourd'hui, Myriam, elle a une annonce à faire à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux nous dire depuis tout à l'heure? Bah, en fait, j'aimerais bien faire le ramadan. Mais tu veux faire le ramadan? Mais t'as 7 ans, t'es trop petite pour faire le ramadan. Mais t'inquiète, je vais tenir. On la laisse ou pas? Bah, laisse-la, on est dans un pays de droit libre. Et si elle veut souffrir. Par contre, si t'as faim, t'as soif, ou tu te sens un peu pas bien, tu manges direct, tu bois direct, ok? Mais j'aurai pas faim jusqu'à ce soir, les gars, je suis une boss. Vas-y. Là, je suis venu avec Myriam dans un magasin, je sais pas si on peut appeler ça un magasin musulman. Il y a que des trucs rebeux. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je vais y aller. C'est moi, un peu... moi, je suis déjà venu. Hey, tu peux acheter des trucs et tout. C'est grave bien. Il y a ouais. Que pour les trucs pour les. Il y a des robes pour les filles, il y a des trucs pour les garçons. C'est un peu le. C'est comme que... le bled, vous allez voir. C'est que... Et pendant le ramadan, il y a grave du monde. Parce que c'est que les trucs du ramadan. C'est à peu près comme ça. C'est Dubai Center, il s'appelle. Derrière toi, il y a un camion, il t'arrête là-bas. Là-bas, il y a des trucs. C'est en face là. Ah, on dirait vraiment nos bleds. Hein. On dirait vraiment en Algérie les frères. Qu'est-ce qui a marqué ici? Je sais pas. C'est vraiment stylé, il y a des jouets. Ah, moi, c'est mon coin préféré ici. Et regarde, en plus, c'est l'histoire du prophète. Il y a des livres pour qu'elle puisse apprendre. Et regarde, regarde derrière toi. Là, ça, c'est un truc, tu l'allumes et il fait des sorates. Ça y est, on a perdu Myriam. C'est des robes, ça. Et là, ce que j'aime bien, c'est les gels là-bas. En fait, moi, je suis venu pour ça. Pour la mosquée, faire la prière et tout. Il y a des belges là-bas, je vais en choisir des biens. Là. Oh les frères, on a repéré celle-là. Elle est magnifique. On a celle-là aussi. Et on va prendre celle-là. Comme ça, j'en ai trois. Impeccable. Prends-lui la robe derrière là. Les robes de filles. Ça c'est quand tu te maries, mais je vais pas mettre ça. Quoi. Non, c'est pas ça. Non, je vais pas mettre ça comme ça. Myriam, je lui fais un cadeau d'une robe si tu veux. Tu veux prendre celle-là? Celle-là. Aïe. Je prends le toi, tu choisis laquelle? Moi je suis pas trop heureux. Elle fait grave peur, elle a une tête. Bon, on a bien terminé, on a acheté quelques trucs. C'est ça que je voulais vous parler. On a acheté une pierre. Ça en fait, quand tu es malade, tu te fais opérer, tu peux pas faire les ablutions avec de l'eau. Tu prends la pierre, tu fais ça. Bon, en fait, tu fais tout ce que tu faisais avec les ablutions, et ben tu touches la pierre, tu vois. On a le droit de faire avec ça parce qu'il y en a, ils peuvent pas mettre de l'eau sur leur peau, ils ont des maladies, tout ça et tout. Donc vous utilisez une pierre ou de la terre ou de l'argile, c'est autorisé avec ça. Et pourquoi t'as acheté la pierre? Bah, pour faire les ablutions quand on, si on est malade ou un truc. Ah comme d'accord, ça. Oui. Voilà. C'est vraiment quand les gens ils sont malades. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, c'est la jungle. Hein. N'allez pas pendant le ramadan, laisse tomber, il y a trop de gens, vous allez péter un câble, vraiment. Finir Cassine le fou, regardez, il a mis combien? Il a mis 4 fois, je pense que ton mouvement il va être dégueulasse. Ouais, il fait ça juste pour la vidéo, sinon il ferait pas ça. C'est quoi le mouvement? Bon, à peu près comme un rameur quoi. Bonne chance. Oh, le taré. C'est son en fait là il lève plus que son poids. Tu vois là normalement son dos il y a un creux par là et vu que c'est trop lourd il peut pas mais gravement léger mais grave léger montre le mouvement comme ça vous faites pas ça à la maison. Mets bien un creux dans ton dos. Voilà, non, c'est ça le mouvement. Non, là je sens rien là. Moi quand je fais ça, là je sens plus le dos. Ouais, mais là normalement t'es censé avoir un creux. Oui, là. Mais moi quand je mets un creux, je sens pas mon dos. Ah, alors okay. Que là je sens mon dos là. Aujourd'hui la famille, ça va être le petit moment rappel. Je vais vous parler d'une chose très 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 importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est sur Terre, nous êtres humains, c'est parce qu'en fait on passe un examen, on est jugé. Et tout ce qu'on fait, tous nos actes qu'on peut faire ici, bah, ça aura des répercussions dans l'au-delà, après notre mort. Et justement, bah là, il va plus y avoir de dernière chance ou quoi. C'est maintenant votre dernière chance. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, les gars, très important, faire des bonnes choses, avoir un bon comportement envers vos parents, essayer de respecter vos voisins, essayer de pas trop insulter les gens, de vraiment être très, très correct ici. Comme ça, quand vous arrivez dans l'au-delà, vous avez énormément de bonnes actions et très peu de mauvaises actions. Parce que dites-vous que si vous comportez mal avec des gens, et bien au jour du jugement dernier, les personnes vont revenir et vont dire « Lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a insulté ma mère, lui, il m'a frappé, lui, il m'a fait ça. » Et au final, vous allez leur passer plein de votre bonnes actions et vous allez prendre plein de leurs péchés. Donc, c'est très, très, très important pour vous d'essayer de faire un maximum de bonnes actions ici, les amis. Rien que, je sais pas, moi, faire un petit sourire à tes parents ou alors, je sais pas, aller voir ton voisin, lui apporter un petit plat tu vois, un petit plat du ramadan, un petit plat de gâteau, un truc comme ça, c'est incroyable, vous imaginez même pas. Et c'est super, super important, la famille. Myriam. Par contre, là, ça commence à être inquiétant, on la voit même pas, wesh. Elle est où? Il y a sa tablette ici. Fais voir, viens, on va voir. Attends, mais je crois qu'elle a mangé. Maman, elle a dû lui dire de manger, elle a dû dire non, elle s'est barrée. Mets cette tablette en pause. Myriam. Je sais pas, même là, elle est pas là, Khaï. Inès, on a fait une D. Hein. Putain, wesh, elle est où? Oh, là, là.
Attends, Yacine, pourquoi la fenêtre elle est comme ça ouverte? Peut-être elle est partie jouer dehors. Tu vas regarder dehors. Wesh, même là, y'a personne, mec. Mais elle est où? En plus, elle doit aller à la cour, là. Myriam? Elle est où? Ah, c'est ça que tu faisais? C'est ça que tu faisais? Oh, yo! C'est quoi? Viens. Laisse-la, tranquille, crie pas dessus. Oh là, ah, ouais. Oh, le truc de malade. Ah, bah, c'est bien le ramadan. Bon, je reviens, faut que j'aille chez le médecin. Comme ça, chez le médecin. Comme ça, va chez le médecin. Mais c'est pas par là le médecin dans tous les cas. Elle c'est vraiment une tueuse. Vas-y, ah, vision, voilà. Je sais comment ça, médecin. Comment ça, chez le médecin, Myriam? Mais dégage! Mais t'as pas besoin de te cacher! Mais pars! Vas-y, viens, on la laisse tranquille. Vas-y, on va te laisser tranquille. Ça, tranquille, elle est. Oh là là. Bon appétit! A few moments later. Bon les gars, là il est 18h, Inès m'a dit d'aller sortir pour aller voir ma grand-mère. Parce que je crois qu'on doit aller chercher des feuilles de briques ou je sais pas quoi. C'est ça, Younes? Yacine, dépêche-toi s'il te plaît, il y en aura plus, il y a Sofiane, il y a tout le monde, il y aura plus de feuilles de briques, dépêche-toi. Younes, doucement, ouais. Yacine, tu comprends pas que les feuilles de briques, il y en aura plus. Ceux de notre grand-mère, c'est les meilleurs. Il y a Sofiane et tout, ils vont tout prendre. Dépêche-toi! Le petit débrief, bah premier jour ça va en fait. En fait, comme nous on a grandi dans des ramadans très rudes. Ah ouais, ouais. J'avoue, des ramadans jusqu'à 22h. Ouais, c'est jusqu'à 22h. Il faisait chaud, c'est-à-dire là, c'est chaud. Dites-vous, il y en a, ils vont grandir, leur premier ramadan, on mangera à 17h. Nous, premier jour de ramadan, le jour juste avant, il neigeait. Ah ouais, c'est vrai. Bon, les amis, je vous dis, je suis venu pour voir Sofiane, la famille et tout, mais aussi pour les légendaires feuilles de briques. Je crois qu'elles sont là. Yes. Ça, c'est les meilleures feuilles de briques du monde, celle-là. Ça fait trop plaisir, ça, je vais les coffrer. Et ce soir, les meilleures feuilles de briques du monde. Ouais, ça va être wild. C'est l'heure de manger. Attrape réflexe. Arrête. Mais attrape. Mais je retrouve ma tâche. On va se servir, c'est l'heure dans 6 minutes, même pas. Vas-y, pousse-toi la séance de manger. Arrête de pousser. On va prendre des. Elle est tellement qu'il a envie de manger. Ici, c'est comme à la cantine. Maman a fait à manger, machin, là, et on sert tous. Moi, je prends des. Par contre, on a 7 pour te servir. Elle ouvre des potatoes. Ah, mais trop que moi, je suis pas une grosse quantité. J'avais trop mal au ventre. Trop petite pour attraper une assiette. Elle est sur la table, ton assiette, beau gosse. Ah. Ensuite, ici, il y a de la viande pour les muscles, la musculation. On en prend une quantité. Voilà. Et t'avais pas parlé des feuilles de coupe de hamon que t'allais. Ensuite, on va dans le frigo. Hey. On prend la meilleure sauce, curry, et venez sur la table. Oh lolo, sur la table. Merci beaucoup, Hanna. Hanna, c'est en arabe, ça veut dire grand-mère. Regarde, mon pote. Là, Yacine. Hey. Là, c'est laquelle la plus grande? La plus grande. Moi, je dis hey. Elle. Ouais. Ah, elle est trouée. Une autre. Ok. Oh, okay. Ouais. Tiens, Myriam, tu veux. T'inquiète, je t'ai laissé une belle. Tu veux laquelle? Je pense à la Myriam. Non, une, il y en a une pour moi, une pour papa, une pour maman. Prends elle est stylée en vrai. C'est une grande. Toi, t'as pas besoin d'attendre, tu peux manger, ça y est. Non, t'as pas besoin d'attendre 26, t'as pas besoin. Pas un croc dans la feuille de briques, Myriam. Quoi? Tu veux? Non, c'est bon, je veux pas. Vous avez vu comment elle est? Vas-y, je reviens après, moi. J'y pense depuis ce matin, les fameuses feuilles de briques. Mais est-ce que vous le fait? Genre en mode, vous avez faim toute la journée et tu manges un croc et arrêtez calé. Mais dans ta tête, il y a une voix qui dit « Non, mange encore !» Hier, j'ai fait, j'ai écouté ma voix et j'avais mal au ventre toute la nuit. Donc quand vous mangez le fthor, essayez de manger à votre faim, pas plus. C'est vrai que c'est facile, mais bon. Facile à dire, mais bon. Bismillah, allez, on y va. Incroyable. Maman, pourquoi? Tu demandes pas à ta mère comment elle fait, s'il te plaît, demande-lui. C'est quoi, c'est pas quoi ce truc? Pourquoi feuilles de briques, ça va bien? Si, tes feuilles de briques sont trop bonnes, mais là, moi, c'est... Moi, j'aime bien les deux. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Elle met tout. Vache qui rit. Je sais pas si c'est de la vache qui rit, mais c'est de la viande. Elle met tout. Des épices, moi, c'est bien c'est de vous faire regarder. Bon. Tous les ans, je lui demande d'en faire, mais qu'Allah lui accorde le paradis. C'est trop, trop bon. J'ai même pas envie de la manger, j'ai envie de la laisser pour à la fin. Ouais, j'en laisse pour à la fin et j'ai envie d'aller sur le dessert. J'ai le droit. T'as pas le droit. On prend une tarte aux pommes avec du chocolat. On en met un peu. Je sais, je suis bousillé dans ma tête, mais j'ai le droit. Et là, on tape. Bismillah.
et j'ai envie de partir sur des carottes après, directement. T'es fou. Allez, en prison. Allez, je vais en prison. J'y vais. On rigole. Bon, la famille, on va manger tranquillement. Et ça rafle le chrome.